Konnichiwa minasan. Waouh, je suis blanche. Est-ce que vous m'entendez? Genki desu ka? Allô, allô? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, nickel. Je suis blanche. Attendez, faut que je ferme mon volet. Comment ça va tout le monde? Je dis Naruto, vous écrivez Naruto dans le chat? Ah ok, génial. Pas de lag, rien. Alors ma connexion passe de temps en temps au rouge écarlate, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'a ma connexion. Mais bon, on va croiser les doigts que tout ce stream se passe très bien. En revanche, il y a un grésillement. Alors attendez, je suis peut-être pas sur le bon micro. Est-ce que là, je suis sur le bon micro? Est-ce que là, ça va mieux au niveau des grésillements? Yay! J'étais pas sur le bon micro! Comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien révisé? Est-ce que les hiragana commencent un peu à rentrer dans vos petites têtes? Dites-moi tout. Fatiguée? Absolument pas. Ouh là là! Ouh là là! C'est pas grave, on va s'entraîner. On va s'entraîner. Ça va le faire, je le sens. Est-ce que là, ça va au niveau de l'image, au niveau du son? Parce que mon stream est dans le rouge, mais je sais pas du coup si ça va quand même de votre côté. Ah, konbawa, Gurime-san, konbawa. C'est vrai, il faudrait que je fasse l'appel un jour. Oh bon, en ne sachant pas qui est là, ça va être un peu compliqué. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne pendant que je n'étais pas là, ou qui viennent juste de s'abonner comme Idril de Discord. Merci beaucoup. Bienvenue dans la classe, Yokoso, Yokoso. Et alors, qui venait de s'abonner? Je vais remercier quand même. Il y a Captain Unicorn, Sir Kada... Non, attendez. Kazadum, j'imagine. Et Nico Nico Ni qui se sont abonnés juste au moment... Enfin, qui ont follow plutôt. Qui ont follow la chaîne. Donc, bienvenue à vous. Voilà, trouvez-vous une petite place dans la classe. Asseyez-vous, prenez de quoi écrire. Et on va bientôt commencer le cours. Après, on verra bien ce dont je me souviens du confinement. Ah, ça on est. Bon, là, comme à chaque début de cours, il va y avoir un petit test. Depuis le temps que je me dis que je dois m'abonner à ta chaîne, c'est fait. Yay! Merci beaucoup! Arigato gozaimasu, yasashi desu. Merci beaucoup! Arigato. Je vois que vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Vous êtes déter ce lundi soir. Il est déjà 18h30 passé. En revanche, ton chat sur la vidéo est un peu lent. Ah, mais je crois que c'est parce que c'est la taille. J'ai bidouillé des trucs et... Ah oui, non, il est trop lent même. Pourquoi ça fait ça? C'est peut-être ça qui me met dans le rouge. Mais du coup, pourquoi? Il ne sait pas. Attendez, je vais faire des petites manips quand même avant de commencer. On prend le temps de s'installer. Tranquille ou posé. Hop, on va faire ça comme ça. Le chat a toujours été lent. Ah, c'est pas des choses que je fais attention, Gomen Asai. Et le son va très bien. Bon, tant mieux, je suis contente. Yokatta desu. Bon, alors vous l'avez remarqué, j'ai encore changé d'overlay. J'ai essayé de faire des petits trucs en plus. Clairement, il y a des choses que je vais devoir modifier parce que ça me plaît pas à 100%. Et donc voilà, j'ai regardé les derniers follow, les derniers dons, les derniers subs. Alors les subs, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense que parce que si c'est la même journée, ça, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc ceux qui s'y connaissent en Twitch, et si vous pouvez m'aider, je ne dis pas non. Mais voilà, j'ai essayé d'apporter des petits trucs un peu plus classiques. L'objectif de follow, et etc, etc. On verra si je continue. Mais bon, si vous avez des idées pour le hurler, n'hésitez pas à me les suggérer sur Discord. On voit ceux qui sont en télétravail. Mais je suis pas en télétravail. Je suis en télécours. C'est pas pareil.
Bon, sur ce, je pense que tout le monde est plus ou moins arrivé et que l'on va pouvoir commencer le cours et l'examen. Alors, bon voilà, du coup, ça se présente comme ça. Je crois que les écritures, je vais les changer pendant que vous faites votre examen. Donc là, on va faire comme la semaine dernière. Bon, donc, on est sur l'examen numéro 2 qui reprend tout... les séances, donc les deux premières séances qu'on a fait lundi et mercredi, les canas sont dedans, et c'est sur le même type, exercice numéro 1, essayez d'écrire les canas que vous voyez en hiragana, du coup le en hiragana, pareil pour le ki, le e, le so, le i, le ga, le di, le ke, le ze. Et deuxième exercice, un exercice de lecture, c'est de marquer en romaji, donc dans notre alphabet, comment s'écrit les hiragana en question. Et oui, c'était jeudi du coup, pardon. Donc je vous laisse allez on va dire 5 minutes jusque 40. Dès que vous avez fini, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Et pour ceux qui viennent tout juste, enfin qui sont nouveaux hein, à la chaîne, faut que je vous explique un peu comment ça fonctionne les cours, parce que du coup je pense que vous n'êtes pas au courant. Vous êtes nouveau, c'est le principe. Donc les cours de japonais sur Twitch, en tout cas sur ma chaîne, sont totalement gratuits. C'est-à-dire que peu importe le niveau que vous avez en japonais, l'âge, votre niveau de français, etc., vous pouvez venir assister aux cours. Il n'y a pas de limite de place, vraiment, vous venez autant, à autant que vous voulez. Ces cours, là, pour l'instant, ils sont basés sur le niveau débutant. C'est-à-dire qu'on apprend à lire et écrire en japonais. Donc là, on a déjà appris 6 rangées de ce qu'on appelle les hiragana. C'est le premier syllabaire, on va dire le premier alphabet japonais que l'on apprend. Et donc, pour ceux qui arrivent maintenant et qui veulent rattraper leur retard, il suffit juste de taper sur internet tableau des hiragana et vous aurez les 6 premières lignes que l'on a déjà travaillées ensemble. Sachant que juste après cet examen, je vous ai mis quand même un récap que vous pourrez screen si vous le souhaitez. Et ça, du coup, faudra soit revoir les replays qu'il y a sur la chaîne Twitch, soit le travailler par vous-même. Les deux fonctionnent plus ou moins. Ça, c'est ce qui est offert à tout le monde, entre guillemets, ce que tout le monde peut voir. Le petit plus, c'est pour ceux qui s'abonnent à la chaîne. C'est-à-dire que ceux qui prennent un abonnement, ils ont droit à des petits bonus. Ils ont, comment dire, des salons qui leur sont réservés sur le Discord d'Apprenons le Japonais. Et dans ce salon, je donne des petits exercices, notamment des exercices de traçage supplémentaires. Et je vous corrige ce que vous faites en cours, en fait. Parce que là, ce cours-là, par exemple, ça va être de la pratique des kanas. Et donc, vous allez écrire encore, encore, encore. Et vous allez voir, c'est moi qui vous guide hein, sur comment il faut faire. Donc voilà, ceux qui aiment le cours, qui veulent soutenir la chaîne et qui veulent progresser un peu plus rapidement ou qui ont besoin d'un peu plus de motivation et d'une correction, et ben je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir tous ces privilèges. Sinon, je le précise, les cours de base sont totalement gratuits. Et donc pour expliquer comment se déroulent les cours, au niveau du planning, c'est le lundi et le mercredi à partir de 18h30, comme aujourd'hui, et le samedi, c'est à partir de 17h, et c'est plus basé sur les jeux vidéo. Donc là, par exemple, on est en train de jouer à Pokémon Bouclier en japonais, et donc, bon, je vous traduis un peu ce que les gens disent, je vous donne du vocabulaire, je vous explique de temps en temps, si je le peux, des phrases, des tournures grammaticales. Bon, le samedi, c'est un peu plus chill, c'est vraiment, on s'amuse, on fait du gaming, et tout ça en japonais pour rester dans le thème, on va dire. Bon, je vois que pour Kiki-san et Golim-san, ça, c'est bon pour eux. Je laisse encore un peu de temps, j'ai jusque 40. Ce lundi 18h30, c'est très bien. Yes. Mais ça sera toujours comme ça, parce que même moi, avec mes cours, c'est plus facile. C'est plus facile de gérer mon emploi du temps de ministre, si seulement vous saviez. Bonjour, bonjour, Mayu-san. Konnichiwa, comment vas-tu? Donc voilà, pour le récap, un peu comment fonctionnent les cours sur la chaîne, et je pense que j'ai tout dit. Pour les nouveaux, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous en avez une, peut-être que les autres l'ont aussi, qu'ils n'osent pas. Vous verrez, je ne mange personne. Je donne cours de japonais, mais en vrai, on est là aussi pour passer un bon moment convivial tous ensemble. Hein. Je ne suis pas votre professeur à vous mettre des zéros pointés et... et à passer un mauvais moment en classe. Non, nous, c'est l'inverse, on chill, on rigole, on dit des petites blagues, et puis ça passe nickel. Hop, comme une lettre à la poste. Toute une organisation, les plannings. Mais oui. Et je crois que les restes ne sont pas trop mal. Ah, yokata, yokata. Bon, il nous reste encore une minute. Je vois que Caleb a fini.
Moi, je mets des zéros, moi, Mélanie. Il s'agit de Bully, Mélanie. Je suis en retard, mais me voici. Ah, Hayaku, Sakura-chan, Hayaku. Bon, il est 40 du coup. Désolée, Sakura, tu as loupé le petit test, mais tu peux le screen si tu veux et le faire à côté. N'hésite pas. Donc, je vais vous montrer la correction. Alors, ici... Hop. Ah, je me suis trompée. Bien dès le premier, c'est bien Candice. Hein? Attendez, non, il y a un souci dans le diapo. C'est pas le bien diapo. C'est pas le... Ah, j'avais... J'ai cru que j'avais pas fait mon boulot. Si, si, j'ai juste oublié de supprimer la diapo de la semaine dernière. On est donc bien sur la bonne correction. Je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée. Non. Ah non, non, non. Non, ce n'est pas la même que la dernière fois. Ce sont d'autres. C'est juste que j'ai oublié de supprimer la diapo. Oupsie. Donc, exercice numéro 1. Dans l'ordre, on avait le ha, le chi, le ne, le i, le b, ko, fu, shi, su. Et pour les exercices, l'exercice de lecture, on a le no, te, su, ki, a, ga, etc, etc. Hein, quoi, vous avez pas eu le bon test? Nani. Bah si. C'est les bons tests, non? Attendez. La fatigue. Non, attendez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais non, mais je suis débile. Excusez votre sensei. Elle était malade hier. Ok. Il y a eu une grosse erreur. Je vous relaisse 5 minutes. C'est pas grave, vous avez révisé ceux de la semaine dernière. Gomenasai, shitsurei shimashita. Sumimasen. Désolée, je m'excuse. Je vous relaisse 5 minutes. Pour cette fois-ci, le vrai test. Oh non, je suis désolée. Moi qui pensais de ne pas avoir fait d'erreur. Et il y en a quand même qui s'abonnent. Vous êtes vraiment trop gentils. Merci beaucoup, Charlie-san. Yokoso, bienvenue dans la classe du coup. Donc tu n'as rien raté, Sakula. Voilà, en fait, je t'attendais, je gagnais du temps pour toi. Sois honoré de ma bêtise. Qu'elle te soit profitable. Excusez-moi. Sumimasen. Tsurei shimashita. Gomenasai. Bon, voilà, vous voyez, même la prof fait des erreurs, donc allez-y, c'est parfait. Donc, on reprend à zéro. Vous avez 5 minutes pour faire ce petit test. Et cette fois-ci, ce sont les bons caractères. Voilà. Et en attendant, je vais en profiter pour changer l'écriture, qui est clairement pas lisible. C'était pas une bonne idée de mettre cette... Voilà, là, ça sera peut-être mieux. Bon, c'est pas très joli. Voilà, lui, ça sera un peu mieux. Tuc, 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 tuc. Mais non, c'est pas les réponses. Putain, c'est les réponses, mais... Oh, j'en ai marre, hein. Je suis trop fatiguée, hein. C'est pas bon pour moi, ça. Au pire, vous faites l'inverse. Je sais pas, dites-moi. Ah non. Bon, je suis perdue, voilà. On n'a pas bien commencé la semaine. Mais fallait pas le dire. Oui, voilà. On fait l'inverse, ça sera plus simple. On est d'accord, on a commencé par là, sinon on va jamais y arriver. Oh mon Dieu. Ayez pitié de mon âme, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. T'es sûre de vouloir faire un test aujourd'hui? Oui, il faut tester vos connaissances, c'est super important. Surtout que là, il y a eu jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 3-4 jours entre l'autre cours et c'est bien pour vous quand même de tester vos connaissances. On va dire que vous avez fait deux tests. Celui de la semaine dernière, que certains ont oublié, et celui de cette semaine du coup. Comme ça, double révision, c'est pas plus mal. On va dire ça comme ça. Hop. Et les subs, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Sinon, on oublie tout et on recommence. Non, allez, comme ça, c'est bon. Vous faites l'inverse. Ce que vous voyez en hiragana, vous le mettez dans notre alphabet. Et ce que vous voyez dans notre alphabet, vous le mettez en hiragana. Je pense que ce sera plus simple. Pour les nouveaux, je vous promets, c'est pas vraiment tout le temps comme ça. Là, c'est parce que je suis un tout petit peu fatiguée. Tout petit peu. Il y a les cours, il y a la recherche et tout. C'est pas facile tous les jours, vous savez. Elle a trop bu. J'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'épar. C'est pas bon, l'épar. C'est dégoûtant. Mais c'est bon pour la santé, alors on se force. Oh non.
à boire. Oh non, pas de lait pain. Sakura, j'ai que ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Voyez ma tête de dégoûté. Ah non, mais je vive. Ah, toi, le jour où je te vois, je t'étrangle, ok? Et en plus, je te fais des pat-pat sur le Discord en mode ils veulent te jeter dans la boue. Bah, la prochaine fois, tu te démerdes. Je m'en doutais, j'aurais dû le faire. Bon, sinon, est-ce que ça va? Je vois quelques-uns qui ont fini. Sakura, Panda, Neko Panda, c'est fini. Kiki-san aussi. C'est bon pour. Ok, bon, ça a l'air nickel. On est à 45. C'est perfect. Donc, je vous mets la correction. Je vous laisse pareil. Deux petites minutes. Le temps que je finisse de changer ceci. Les petits noms. Touk, touk, touk. Moi, je voulais juste que Sensei boit de l'eau tranquille. Toi, tu le fais car c'est pas bon. Voilà pourquoi il faut pas le défendre. Il finira dans la boue. C'est trop triste. Bon, j'ai une âme de trop gentille pour accepter ça. Oh, oh, oh. Mais est-ce lui? Merci. Merci pour sa coup. Ah, arigato. Bon, ok, j'ai rien dit, je te défendrai. Arigato, Esdrim, Yasashi Segi, c'est trop gentil, merci beaucoup. Bah, merci pour Saku et merci pour la chaîne, pour la soutenir, arigato. Waouh, j'aime bien. On n'a rien vu, c'est pas moi. Alors du coup, au niveau des fautes, vous avez eu sur combien sur 18? Dites-moi tout. Waouh, Kalinours, une faute, omedetto! Omedetto, c'est génial, Kalinours. Kiki-san, parfait! Excellent! Sakura, pareil aussi, mais en fait, ça rentre tout seul, c'est nickel! Un petit 15, mais j'étais trop vide, mais non, mais c'est. Tu rigoles, Grim, c'est génial! Sugoi! 18, excellent, c'est parfait, tout le monde! Ne confondu avec né. Ah oui, non, ça arrive. C'est la petite boucle qui confond, mais c'est pour ça que je mets des petits pièges des fois. 15 sur 18, 18 sur 18. Ah, mais génial. 9, c'est parfait. Omedetto, c'est la moyenne, c'est nickel. 11 fautes, je débute. Oui, c'est normal, je te rassure, Charlie. Si tu débutes et que tu en as quand même trouvé 7, c'est déjà excellent. 11, j'en ai confondu 3 sur 18 pour mon premier cours de japonais depuis des mois. Mayu, c'est parfait. Si t'en connais déjà 3, alors que ça fait des mois que tu n'en as pas vu, bah c'est excellent. Tant que c'est pas. Tant que vous en connaissez, en fait, le but de ces tests, je le répète, hein, c'est pas de vous dire ah voilà, vous savez pas. Non, c'est vous dire ce que vous savez. C'est l'inverse. De dire voilà, ceux-là je les sais, maintenant il faut que je me concentre sur les autres. Donc si tu en sais déjà 3, c'est déjà un très bon début parce qu'il y en a à l'heure actuelle, ils savent encore 0. Donc c'est très bien. J'ai failli le faire cette faute, mais je l'ai évité. Ah bon, bah nickel. Bah je suis contente, c'est super, c'est génial. Je vais mettre le stream sur pause, le temps de faire l'interro. Aïe, dozo. Mais je veux pas vous dire qu'en fait j'ai 20 ans de japonais derrière moi. Kore wa mandai de wa nai. Ce n'est pas un problème ça. On peut tous abandonner pendant 20 ans et reprendre à zéro. Tu as le droit. Daijoubu desu, ça va. Bon, du coup, on continue et on va commencer avec un petit récap. Parce que là, on commence à en voir pas mal. Aujourd'hui, on finit le tableau de base, hein, les syllabes simples et dérivées. La séance prochaine, ce sera les syllabes composées. Donc vraiment là, en 3 séances, vous allez voir tout le premier tableau. Et dès que vous savez ce tableau-là, vous savez tout écrire les autres caractères. Donc c'est vraiment super important. Donc c'est pour ça que je fais un petit récap. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ça va être le moment de screen, si vous le voulez. Sauf si vous êtes sub, vous aurez tous les fichiers disponibles sur le Discord. N'oubliez pas, ça c'est super important, ceux qui arrivent, de rattraper un peu votre retard de ces 6 premières lignes. Donc là, je vous ai mis en long magie hein, pour réexpliquer un peu pour ceux qui viennent d'arriver. Et juste après, on a les... hiragana. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour le moment. On a vu les voyelles A, I, U et O, les ka, kaki, ku, keko, et leurs dérivés en G, ga, gi, gu, geko.
Ensuite, on avait vu les S, ça, chi, su, c'est so. Et leur dérivé en Z, za, di, z, z, zo. Et là, il faut bien faire attention, c'est je avec un D, D, J, J. Le T, ta, chi, tsu, te, to. Avec les dérivés en D, da, di, du, de, do. Da, di, zu, de, do. Les N, na, ni, nu, ne, no. Et enfin, les H, ha, hi, fu, he, ho. Et leur dérivé en B, babi, bu, be, bo. Et en P, papi, pu, pe, po. Donc là, c'est ce que l'on a vu depuis la semaine dernière. Ça va vite, hein. Surtout, là, je vous le disais, en 4 séances, on fait les hiragana, bon, voire 5 plutôt, qu'une séance de révision. En, pareil pour les katakana. Et après, dès qu'on est passé sur ça, on fait de la grammaire à fond, à fond. Et là, à ce moment-là, quand on fera de la grammaire, j'en prendrai certains, pour ceux qui le souhaitent, sur Discord, pour, par exemple, essayer de lire les exemples et de les traduire. Je vais vous faire participer, hein. C'est le but du Discord, donc ceux qui y sont pas, bah, vraiment, n'hésitez pas, parce que d'ici le mois prochain, vous allez participer à fond. On va recommencer à faire des lives de lecture de contes ou de lecture d'articles et aider de la traduction. Donc, ça va repartir en flash. Donc, voilà. Ça c'est déjà tout ce qu'on a vu grosso modo, et là il nous reste encore 3 lignes et demie à travailler. Oui, les comptes, oui, c'était bien, on est d'accord. On est d'accord. Donc là, ce que l'on va faire déjà, c'est prendre tous un papier et un crayon pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, et je vais bloquer ceux qui font chier. Hop, début d'inconnu. Oh, j'y pense, que l'on recommence les séances de lecture. Oui, il faut vraiment qu'on arrive à redynamiser le Discord et à faire des ateliers de lecture aussi. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps d'organiser tout ça. Bon, on fait comment les tests sans crayon ? Je dis ça au cas où, pour ceux qui n'auraient peut-être pas fait le test en amont. Donc là, on va faire comme d'habitude, ça va être de la pratique. Je vais essayer de remettre ma tablette. Non, je ne peux pas mettre ma tablette, parce que je n'ai plus accès à l'écran de ma tablette, il faut que je vois pourquoi. Donc pour l'instant, on va faire sans tablette. Je pense que je vais pouvoir quand même utiliser... Est-ce que je vais pouvoir utiliser le PDF ? Écrire avec un PDF. Ou alors je vais le faire avec Paint. Bon, c'est pas grave, on verra. Donc, on commence avec notre ligne des M. Donc, la ligne des mamimumemo. Mamimumemo. Donc, ici, on va partir avec un kana en 3 traits. Donc, le premier, c'est 1 égal. Alors, attendez, je vais peut-être changer parce que c'est pas évident. Voilà. Ma. Ah, mais oui, ça marche comme ça, nickel. Oh, Jojo Oka, Yokoso, bienvenue dans la classe. Merci à toi pour le follow, c'est super gentil. D'où viens-tu ? Dis-moi tout. Quelle est ton origine ? Comment as-tu découvert le stream ? À tout hasard, quelqu'un a fait la capture d'écran du test ou pas ? Si pas, c'est pas grave. Bah écoute, attends, regarde. Hop, hop, hop. Voilà la correction. Je te laisse le screener. Et hop, on repart sur le M. Et bonsoir. Ça va, Jojo ? Yokoso, bienvenue à toi. Alors, on reprend. Du coup, j'ai trouvé un moyen de le faire, c'est nickel. On est sur un 3 traits. Le premier, c'est un égal. Hein, on cherche pas compliqué. Le troisième trait, c'est un trait horizontal. Non, vertical, qui descend et qui fait une boucle à l'arrivée. Donc là, je suis sur souris, c'est pas évident. Voilà, n'hésitez pas. Hop, et du coup... Comment je fais pour supprimer ? Attendez, parce que je découvre. Je découvre... Est-ce qu'on a un retour en arrière possible ? Pas du tout. Apparemment non. Si, peut-être. Si, ça je peux supprimer. Ok, parfait. Je reprends. 1 égal. Un trait vertical qui finit par une boucle. Voilà, le ma, il n'y a pas plus compliqué. Essaye le CTRL Z. Oh oui, oh parfait. Merci, merci Kalinours. Merci beaucoup. j'ai tombé ici par hasard et je me suis dit cool, je vais pouvoir me remettre au japonais. Oh bah parfait. Ah bah nickel, bah écoute, je suis contente que tu te sois perdue sur ma chaîne. Alors, une dernière fois, c'est pour habituer les nouveaux, hein, principalement. Donc 1 égal et un trait vertical fini d'une boucle. Ça c'est le ma,
ma en japonais. Hiragana suivant. Le mi. Donc le mi, lui, il va être en deux traits uniquement. Alors je me répète, hein, ceux qui ont l'habitude, bon voilà, vous avez l'habitude. En japonais, ça fonctionne avec des syllabes, ça vous l'aurez compris. Une consonne plus une voyelle ou une voyelle toute seule. Et il y a un ordre et un sens des traits. Cet ordre et ce sens des traits est très important. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, premièrement, bah, vous allez moins facilement les retenir. Deuxièmement, ils seront moins jolis. Donc si vous les suivez, je dis l'inverse hein, de ce que je viens de dire, enfin, je dis la même chose mais d'une autre manière. Si vous les suivez, vos kanas seront plus jolis et vous les retiendrez plus facilement. Donc je vous conseille fortement de bien suivre l'ordre des traits, d'accord ? C'est super important. Alors c'est un peu compliqué quand on est gaucher de temps en temps, mais courage, vous allez y arriver, je crois en vous. Donc, pour le mi, ici on est sur un long trait, donc ça commence avec un 1, une boucle qui s'allonge. Clairement, on est sur un 7 qui ne s'arrête pas, et un petit trait qui transperce le premier long trait horizontal. Hop, donc je reprends. Donc là, on est sur un 1 qui fait une boucle, et du coup, ça nous donne un 7. On va dire ça comme ça, je pense que c'est assez visuel. Hein. Là, vous avez bien un 7. Et l'autre est parallèle, du coup, au premier trait, et va transpercer le long trait. Je trouve pas que ce soit beaucoup plus dur en tant que gaucher. Bah écoute, tant mieux parce que j'ai eu des élèves qui ont un peu plus de mal avec l'ordre des traits, enfin le sens de traçage comparé au droitier, qui est plus intuitif pour les droitiers de base. Un Z avec une barre, sonné. Un Z avec une petite boucle et une barre, so. Je suis gaucher également, mais pas de soucis. Bah tant mieux. Je préfère le préciser parce que des fois ça arrive, mais si vous n'avez pas de soucis, c'est parfait. Ça roule. Hop, le kana suivant du coup, le M. Alors faites bien attention, les nouveaux, hein, le U, il se prononce toujours OU en japonais. OU. Et donc là, on va commencer avec un trait horizontal. Celui-ci va être coupé verticalement par le trait numéro 2 qui va finir en boucle et qui va remonter. Et on va finir avec un troisième petit trait, une petite virgule sur le haut. Et au niveau du traçage, il est, comment dire, il se trouve à la moitié du premier trait, plus ou moins. Je reprends, un trait horizontal, un vertical qui va le couper, faire une boucle et remonter. Et le troisième, c'est une petite virgule sur le haut. Est-ce que ça va pour l'instant, ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous suivez, est-ce que c'est pas trop rapide, est-ce que le rythme est bon pour vous? Dites-moi tout. Do desu ka? Daijoubu desu ka? Ça va, ok, nickel. Hop. Nickel, c'est bon pour moi, j'arrive à suivre. C'est parfait, bon, on continue sur ce rythme-là du coup. Le troisième, c'est le ME. Donc pareil pour ceux qui viennent d'arriver, le E va toujours se prononcer E en japonais. Donc ça sera ME, M plus E, ME. Et donc là, on va être sur du deux traits. Un premier ici, et là, il va vous faire penser peut-être à un autre kana qui commence pareil. On va faire une sorte de Y, et ce Y, en fait, il va continuer pour faire une sorte de demi-cercle. So desene kanino, ça ne pas confondre avec le nu. Alors le nu, du coup, je ne peux pas le faire si là, le nu, c'est ça. Et en fait, vous avez une petite boucle ici en plus. Donc il faut faire attention, hein, c'est pas la même chose. Hop, attention. Hop, hop, attention. Ce n'est pas la même chose. Le me, donc un Y. Hop, je vais le supprimer pour garder le nu à côté. Hop. C'est un Y qui finit en demi-cercle. Hop. Et là, faites bien attention parce que ici, ça va dépasser. De ce côté-là, ça va dépasser un petit peu. Hop. On continue. Le mot pareil, qui n'est pas à confondre avec certains hiragana. Donc déjà, l'ordre de sens est un peu inhabituel. On va commencer par le trait vertical au lieu du trait horizontal et on va finir avec le égal. D'habitude c'est l'inverse, là je ne sais pas pourquoi le mot on le fait comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc on commence avec une sorte d'hameçon de pêche
qui va être barré avec un égal, qui va être transpercé, traversé d'un égal, tout simplement. Je reprends, on fait l'hameçon, et on fait un égal qui transperce la grande barre verticale. Et donc le mot n'est pas à confondre avec... Ah, konbawa, Paksan. Konbawa, isashiburi. Comment vas-tu, Paksan? Du coup, je disais qu'il n'est pas à confondre principalement avec le ma. Le ma. Ça, c'est l'une des choses où il faut faire attention. Hein. On a bien un égal, mais le troisième trait du ma est totalement différent. Je vous le remonte une dernière fois. Donc, on fait l'hameçon et le égal. Genki, ayokatta desu. Est-ce que c'est bon pour vous la ligne des M? Donc là, on a vu une ligne, mami mu memo. Et si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas de questions, on va passer au petit test. Ma, daijobu so ne, ça a l'air d'aller. Du coup, première question. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe ma? Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Ah, Shania, sugoi! 14 sur 18, c'est parfait. C'est, enfin, parfait, non, mais c'est excellent, c'est très très bien. Donc là, on a vu la ligne des M pour le moment. Mami mumemo. Et en effet, bravo, vous êtes super réactif. C'est bien la première syllabe. So desu ne, c'est le ma. Ma. Juste ici, ma. Question numéro 2. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe me? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Do desu ka? Je vous vois tous, c'est la pluie de chiffres. Hi, so desu. C'est bien le troisième. So so so. Collez-moi me desu. Ça c'est me. Kanpeki desu. Très bien tout le monde. Question suivante. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe mi? Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième? Hi, so desu. Kanpeki desu, minasan. Tout à fait, c'est bien la deuxième réponse. C'est le mi. Collez-moi mi desu. Hi, so desu, omedeto, minasan. Question suivante. Ici, on va être sûr de la lecture. Donnez la lecture du hiragana suivant. Est-ce qu'il se lit ma, mo ou me? Alors, je vous conseille d'écrire la lecture plutôt que le chiffre, au cas où le chiffre serait le même. Parce que des fois, sinon Twitch vous dit « Dop, dop, dop !» Vous avez dit la même chose. Hi. Wa, sugo, minasan. C'est parfait, tout le monde. C'est ça, c'est le mot. Kore wa mo desu. Mo. Kanpeki desu. Ja, tsugi. Prochaine question, donnez la lecture du hiragana suivant. Est-ce qu'il se lit ma, mi ou mu? Do desu ka, minasan? Shitemasu ka? Hi. Mu desu, so desu. Bien joué tout le monde, c'est bien mu, mu, avec un U qui se prononce ou, faites bien attention. So desu. Et dernière question, comment se lit ce hiragana? Est-ce que se lit mo, me ou ma? Kore wa mo, me, ka ma, dochi desu ka? Hi, so desu ne, me desu. So, mei desu. Tu peux remettre le mu du cours, s'il te plaît? Ah, hai, mochiron. Kore wa mu. Kore wa mu desu. C'est le mot. Non, ça ne marche pas, S-Dream, parce que c'est mon mei. C'est le mot mei. So, kore wa mu desu. Amadiro-san. En trois traits. Bah écoutez, ce temps perfect. La boucle n'est pas au même endroit. Alors oui, ça, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui sont là depuis longtemps. C'est un souci de typographie, de la typographie choisie. Moi, je fais mes diapos sur Canva, par exemple. Et la typographie que j'utilise pour les lettres japonaises, elle est un peu différente de la typographie qui est sur ces images-là. C'est pas vraiment la même. Mais en soi, tu vois là, le mu, bon... La boucle est un peu relevée, mais le trait est le même. C'est juste que la boucle, elle n'est pas aussi en bas. Mais ça dépend juste de la typographie. C'est juste ça. C'est comme vous expliquer que quand on l'écrit sur ordinateur, le ki n'a que trois traits.
le ça n'a que deux traits, alors que quand on va l'écrire à la main, il va en avoir quatre et respectivement trois du coup. C'est juste la typographie qui change un petit peu le design, comme toute typographie, j'ai envie de dire. Donc ne vous inquiétez pas. C'est la même chose, c'est juste que visuellement ça va être un petit peu différent. Mais ça reste le même kana et ça se tracera toujours de la même manière. Bon, du coup, alors je vous préviens, la séance d'aujourd'hui elle va être assez rapide parce que je vous disais, on a 3 lignes et demie à travailler. Donc je pense qu'on fera après un petit jeu où vous allez faire des petits exercices ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc là on continue. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le rythme est bon? Je pense qu'au niveau du quiz, tout le monde a eu bon. Donc ça c'est cool. Oui, parfait, c'est nickel. Donc là, on va continuer sur la consonne Y. Alors, j'ai mis consonne. Le vrai terme, c'est une semi-consonne. Ce n'est pas une consonne, c'est une semi-consonne. Bon, nous, on s'en fiche un peu. Sachant qu'en plus, nous, en français de base, Y est une voyelle. Vous voyez le délire. Mais pour ceux qui veulent le vrai terme, en japonais, le Y est une semi-consonne. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'est la différence entre une consonne et une semi-consonne. Mais sachez le juste, j'ai envie de dire. Et pour la colonne du coup des Y, la ligne des Y, on en a que 3 de kana, en A, en U et en O. On en a que 3. Donc là, on va voir le ya qui est en 3 traits. Pas de sushi, yokata desu. Kanpeki. Donc le ya est en 3 traits. Ici, on va commencer avec quelque chose de légèrement de biais, hein. Il n'est pas horizontal le trait de départ. Un peu de biais et pareil, on a une sorte d'hameçon qui revient. Ensuite, on a une petite virgule avec un hané que je n'ai pas fait. Il y a un petit hané. Hané, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Le hané, c'est, ça vient du verbe hanelu, ça veut dire sauter. Et c'est ce petit angle que faisait le pinceau quand on le relevait à l'époque. Au stylo, ça se voit un peu moins, sauf que maintenant, dans les canards et les kanji, il y en a qui sont obligatoires, dont celui-ci. Donc faites-le bien. Et le troisième qui traverse la première ligne et qui fait une sorte de croix. Oh, le deuxième trait, c'est le petit. Oui, je sais que des fois, on pourrait penser que c'est le troisième en premier. Et pareil, dans certaines calligraphies, typographies, vous verrez que le deuxième, il transperce le ya. Moi, ça m'arrive quand je l'écris à la main et de le faire traverser. Hein. C'est une habitude que j'avais prise à l'époque. Mais bon, les deux sont corrects, j'ai envie de dire. C'est comme si vous écrivez qui a quatre traits au lieu de séparer le dernier. Bon, ça reste correct, on vous comprend. Mais bon, voilà. Je vais répéter encore une fois, mais bon, on sait jamais. Donc là, voilà, le deuxième trait est discutable, j'ai envie de dire, de comment le tracer. Donc je vous remontre, on a un petit hameçon, une petite virgule et le troisième T qui transperce le premier pour faire une sorte de croix. Hop, une dernière fois. L'hameçon, la petite virgule et la croix. La croix. On continue. Ici, du coup, on a le you. Alors, YI, je le répète, n'existe pas. Yi, ça n'existe pas, c'est I. Hein. Donc là, on passe direct sur la voyelle des U. Ça nous donne un you. Et là, on a une sorte de petit poisson, vous voyez, avec un petit œil. Donc, on a un premier trait qui descend verticalement et qui va remonter pour faire une sorte, presque un rond, hein, mais qui ne sera pas fermé. Donc, on a ce genre de choses. Et le deuxième va transpercer celui-ci de part et d'autre, de haut en bas. Poisson d'avril, son nez. Donc je vous remonte. Le premier descend et remonte pour faire un cercle qui ne se finit pas. Et le deuxième va traverser celui-ci de haut en bas. Hop, je vous le remonte une dernière fois. Verticalement, on remonte en faisant un arc de cercle et le deuxième part du haut vers le bas pour transpercer les deux traits. C'est Nemo. Hi Nemo des. Nemo, Nemo-san, Nemo-kun, peut-être Nemo-kun. Nemo, Nemo des. Donc voilà pour le you, you. Et le dernier de la ligne des Y, c'est le yo.
Et là, pareil, on va commencer avec un trait horizontal tout petit et un autre vertical qui va passer sur le côté et finir avec une boucle qui descend. Et donc là, on a le même schéma que pour le mât, par exemple, 1 égale, on descend et la boucle qui descend. C'est vraiment le troisième trait, là, c'est exactement le même. Je vous remontre. Donc, un trait horizontal assez petit et le deuxième vertical qui fait une boucle et qui descend. Dodo, bon, je dois filer, mais en tout cas, bravo, super chaîne et ton Discord, super clair. Dia matane. Ah, kite kurete arigato, merci d'être passé, super sympa. N'hésite pas à venir papoter sur Discord et j'espère te revoir à un prochain live du coup. Arigato gozaimashita. Matane. C'est un t'avec une boucle. Ah, un T avec une boucle. Oui. C'est un T avec une boucle. Je vous le remonte une dernière fois. Un petit trait horizontal et un deuxième vertical qui passe juste devant et qui descend avec une boucle. Et on a notre ligne des Y. Ligne des Y qui va être super importante. Donc, mémorisez-la vraiment super bien pour le cours de mercredi. Parce que c'est le cours des syllabes composées. Et les syllabes composées en japonais, elles se forment avec yayuyo. Ah, Tsupinu 007, yokoso, bienvenue dans la classe. Assieds-toi où il reste de la place. Et je pense qu'il en reste pas mal. Oui, les Y, c'est les meilleurs. Sensei est vraiment fatigué. Ah, sona koto nai yo. Machoto nan dakido. Si, je suis un petit peu fatiguée, c'est vrai. Oh, oh, Shupi-san, arigato. Merci, t'arrives, tu pop, tu flac à prime. Arigato gozaimashita. Anthony, arigato gozaimashita. Merci beaucoup pour le sub. C'est super sympa. Alors, je suis désolée, j'ai mis en place aujourd'hui les trucs de dernier sub et je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Pii. Arigato, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas comment vous remercier à chaque fois, vous êtes trop gentil à sub et tout et tout. Je donne un sub qui a une streameuse qui ne sous-douait pas pour faire de l'ambiance. Surjoue pas. Ah, arigato! Merci beaucoup, c'est gentil. Moi, ça me fait plaisir, c'est merci. Je suis contente que tu aies d'arriver, que tu penses à de moi, c'est très gentil. Et du coup, bah, je bois à tout le monde qui a dit que je devais boire mon départ pas bonne. Merci beaucoup les gens, je vous aime. Mais du coup, merci beaucoup Choubino, tu viens d'où? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment as-tu trouvé ma chaîne? Dis-nous tout. Pour nous claquer un super prime. Deux fois du coup. Non, t'es pas gentil, l'ancien. Je suis du 91. Ah, naruhodo. Et ben moi, je suis du 59. Et du coup, bah tu arrives en plein cours de japonais pour apprendre les hiragana. Et ça, je pense que tu l'as compris rien qu'avec le titre. Région parisienne. Oui, ça, je savais quelle ignorance. Merci, hein. J'ai trouvé ta chaîne grâce à Twitch en chaîne recommandée. Oh, trop... Oh, Ina. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup d'habitude. On tourne sur une dizaine de personnes. Là, on est bientôt sur les 30. Je suis contente. Ureshi. Je suis fan du Japon avec ma compagne. Ah, yokata. Naruhodo ne. Je vois. Bon, bah, génial. Bah merci, merci. Bah écoute, profite, installe-toi si tu as envie d'apprendre le japonais, on est là pour ça. Prends une feuille, un crayon, si tu as des questions, pareil, n'hésite pas. Et du coup, vu que tu as, comment dire, sub la chaîne, tu as le droit à des petits avantages pour les cours sur le Discord. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message en privé en me disant, voilà, je suis Choupinou, j'ai sub, si évidemment les avantages de la chaîne t'intéressent, qui, je le répète, sont des corrections détaillées et des exercices supplémentaires en fonction des cours que l'on a donné. Donc là, pour les cours des hiragana par exemple, c'est le traçage, des fiches de traçage supplémentaires. Et je pense que Armadillo peut en témoigner, vu qu'il les a, j'ai vu qu'il les avait utilisés. Mais c'est assez pratique. Plutôt que d'avoir un cahier, ça donne un support supplémentaire. Mais bon, voilà, n'hésite pas, si tu veux des explications, à m'envoyer un message ou à poser des questions sur Discord. Voilà. Vive les arrêts sur image, la côte de Sensei n'est pas stable. Non. J'espère que ça va mieux. Ma compagne apprend en amateur le japonais car je lui passerai le mot. Bah écoute, oui, n'hésite pas à faire profiter ton abonnement à quelqu'un d'autre, hein, si besoin. Et moi, il n'y a pas de souci, je suis très arrangeuse.
Et bienvenue à Stranger 85, Kyoko-san, bienvenue dans la classe. J'avoue, j'ai utilisé aussi les grilles de lecture, elles sont top. Ah, Ine, j'ai trouvé un site qui me permet d'en faire japonais. Il est extraordinaire. Voilà, je vous le donnerai sur le Discord si vous voulez, il est vraiment top pour faire plein de fiches comme ça. Bon, du coup, on continue, si c'est bon pour vous, avec le petit test. Alors là, vu qu'il y a avec 3 hiragana, le test va être super court. On commence. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe yu? Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième? Et c'est une avalanche de 3 dans le stream, dans le chat. Hi, so desu. Tout à fait, c'est bien la troisième réponse. Yu, so desu. Question suivante. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe ya? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième? Do desu ka? Ichi ni san, dochi desu ka? Hi, so desu ne minasan. C'est bien la deuxième réponse. Kanpeki desu. Bien joué tout le monde. Et dernière question de lecture. Donnez la lecture du hiragana suivant. Est-ce que celui-ci se lit ya, yu ou yo? Do desu ka, minasan? Hi! So desu ne, yu desu. Kore wa yu desu, le poisson. Le poisson, c'est yu. Yu-chan, yu. Hi, kanpeki desu. Bon, bah écoutez, on s'en sort pas mal pour l'instant. Vous, vous en sortez pas mal, c'est nickel. Et Sakura, oui, vu que du coup, grâce à S-Dream, tu as eu un abonnement, tu as le droit au rôle sub et VIP sur le Discord, donc tu vas avoir accès au channel, et sur ce channel-là, il y a des petits trucs supplémentaires, des fiches de traçage et tout. Sakura qui doit être trop contente derrière. Ah, bon, S-Dream, des fois, il dit des bêtises, mais il est gentil au fond. So, ne, yasashi. Arigato, S-Dream, yasashi. On continue du coup. Donc là, on va arriver sur la fin. On est sur l'avant-dernière ligne. C'est la ligne des R. Yo est triste, il a pas eu sa question? Ah, honto? Ah mince, dommage. C'est vrai, je n'avais pas fait attention. Donc je disais, le R. Le R, c'est la prononciation, principalement, va leur faire un peu d'exercice, j'ai envie de dire. Alors là, on est très sombre. Hop, voilà, avec l'écran, c'est un peu mieux. Le R qui est plus ou moins roulé, presque comme en espagnol. C'est pas re, c'est pas le. Le son, il a mi-chemin entre le R et le L. C'est re, 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 re. C'est ce son-là. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore, la petite astuce, c'est de faire re-le. Et à force, vous allez réussir à rouler votre R en japonais. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, des chaînes pas forcément françaises ou plus des anglaises en général. Donc n'hésitez pas à regarder ces petites vidéos explicatives qui le feront mieux que moi. Moi, le seul tip que j'ai, c'est de faire releu, jusqu'à atténuer le releu séparé et le faire ensemble. J'ai révisé la prononciation avec le coréen et j'y pense, j'ai coréen demain. Oh, j'avais pris des cours de coréen quand j'étais au Japon. La prononciation coréenne, c'est horrible. C'est horrible. Je galérais tellement avec les... Ah non, je préfère pas en parler. on revient sur le cours, du coup. Les R, donc là, on a le son ra, ra, ra. Donc là, pareil, j'accentue un petit peu la chose, mais quand on va le dire dans une phrase, c'est radio, c'est pas aussi accentué pardon que ça. Donc là on est sur du 2 traits. Le premier, la petite virgule avec le léger hané, et l'autre, bon c'est un 5 sauf qu'on n'a pas le petit chapeau hein. Le deuxième trait, hop, on part comme ça. Je vous le remonte une fois. Hop, donc un petit trait, et le deuxième c'est un 5 mais sans sa première barre qui est juste ici. Je connais que le barbecue coréen. Moi, je connais les barbecues japonais. Ça me manque. Ah, Mélanie, si t'es encore là. On en parlait tout à l'heure. Je vous remonte une dernière fois pour le la. Et à play. J'ai envie de cuisiner coréen maintenant. Ah oui, moi aussi. Un petit bibimbap là. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon ça quand je suis allée en Corée. Quel plaisir. Et une dernière pour la fin, vu qu'on a papoté un petit peu.
Hop là. Qui m'invite? Moi aussi, je veux bien inviter. Ce qui me manque, c'est les udon. Oh, les kare udon. J'adore ça. C'est l'un de mes plats préférés. Kare udon et katsudon. Kare udon et katsudon, c'est bye, c'est bye. On continue du coup. Alors le lit, je suis toujours là. Yes, ben là, il est toujours là. du coup, le lit. On est sur deux traits parallèles et verticaux. Donc, le premier ici avec un petit hané qu'il faut bien faire ici. Par contre, c'est une obligation. Et le deuxième qui est parallèle et qui va descendre et qui va un peu dévier sur la, bah, de ce côté-là, sur la gauche. Donc, 1 et 2. 1 et 2. Je vous remontre. 1 et 2. Du coup, on parle de bouffe dans le chat. La bouffe coréenne OMG. Ah oui, le barbecue qu'on avait fait au Coréen, il était tellement bon avec la salade et tout. Hein, j'ai faim. Les gens, il est 18h, 19h20 là déjà, j'ai faim. Vous vous rendez pas compte? Je suis trop rigolo. T'aurais même pu l'écrire tout en hiragana. Rigolo, rigolo. Ça en est. Allez, je remonte une dernière fois le lit. Et celui-là, il faut faire attention. Parce que quand on va le voir écrit à l'ordinateur notamment, et vous allez le voir dans les exemples, les petits tests, ils vont être en un seul et même trait des fois. Ça va donner quelque chose de ce style-là qui n'est pas très joli, bon, comment je l'ai fait. Mais vraiment, ça va faire un seul et même trait. Et c'est bien le lit, hein. C'est la typographie qui fait changer, donc faites bien attention. Oh punaise, passe vite le temps. Bah oui, un cours avec Yandy, ça passe toujours vite parce que c'est agréable, n'est-ce pas? La meuf qui se vend. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. So. Haya Iné. Hop. Enfin voilà pour le lit. Faites bien attention. Le R. Ici, on va partir sur un Z qui va finir avec une boucle qui se ferme. Et là, c'est bien important le fait qu'il se ferme. Donc retenez-le bien. Je vous remonte. C'est un Z qui va finir faire le bas et faire une boucle. Ce qui me manque du Japon côté bouffe, c'est la boulangerie Boulange à Tokyo et les cafés Velos. Oh, kore shiranai. Alors Tokyo, j'ai pas fait. Alors, quand j'étais en terminale, je suis partie 3 semaines là-bas, mais c'était dans un échange, donc j'avais une correspondante, je faisais pas ma vie, je le suivais constamment. Et j'y suis retournée il y a 2 ans, quand j'ai étudié à l'université de Yamaguchi avec Mélanie. Et du coup, j'y suis allée une semaine, mais j'avais pas trop fait les boulangeries. Parce que bon, les combini, ça me suffisait pour certains trucs, j'ai envie de dire. La boulangerie de Yamaguchi me manque. C'était Paris Croissant. Oh là là, cette boulangerie. Avec les croissants de melon de pain, c'était excellent. C'était une tuerie. Parce que sinon, c'est le Osone Sakura. Il faut faire attention parce que là, le loup, donc je le répète, hein, un Z avec une boucle qui se ferme. Et on a le lot que je vous montre en avance, qui est un Z sans boucle. Il y a juste un gros ventre. Donc faites bien attention. Donc là, le loup, avec une boucle qui se ferme. Ensuite, on a le lait. Le lait à ne pas confondre avec quel kana, les gens? Est-ce que vous le savez dans le chat? Le lait, il y a un hiragana qui lui ressemble énormément. Hi, le nez. Et souvenez-vous, hein, l'astuce pour ne pas le confondre, c'est que la ligne des N, c'est la ligne des boucles. Donc le nu, à ne pas confondre avec le mais. Et le nez, à ne pas confondre avec le lait. Les deux ont des boucles. Donc faites bien attention. Je vous remonte le lait, je suis allée un peu rapidement. On a une barre totalement verticale, un petit Z, et le Z va remonter très haut pour redescendre et faire un hameçon. Je vous le remonte une deuxième fois plutôt. Donc une barre totalement verticale, un Z qui remonte vers le haut et qui redescend en hameçon. Donc là, moi, bon, il est un peu trop anguleux, j'ai envie de dire. Donc je vais recommencer. C'est un peu arrondi, si on veut. Ça dépend du stylo qu'on va utiliser, du pinceau et tout, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Azulm? On peut dire qu'il est doulé. Ah, roulé, sonné. Sonné, on peut dire qu'il est roulé. J'adore. Qu'il est loulé.
Parce que oui, du coup, en japonais, ça va donner un autre son. J'avoue que selon certaines typographies, ça peut changer un peu, mais ça reste toujours pareil. Sone, sone. Donc faites bien attention. Et après, c'est un peu comme en français. Nous, on apprend les bases, on apprend l'écriture cursive, etc. Et arrivé à un moment, on va développer notre propre manière d'écrire, ce que l'on préfère, ce qui va plus vite pour nous. Et on a notre propre style d'écriture. En japonais, ça va être la même chose. Là, vous apprenez les bases, je vous montre le sens, l'ordre, les règles à respecter. Et une fois que vous avez tout ça en connaissance, vous adaptez en fonction de ce que vous aimez. Il y en a qui sont doués pour écrire, d'autres qui ne le sont pas. Moi, par exemple, je n'ai pas une très belle écriture en français ni en japonais, malheureusement. Mais bon, après, voilà, c'est les aléas de la vie. Je me suis entraînée quand même pour avoir quelque chose dans tous les cas. Ils ressemblent à cette base, mais ils ne sont pas non plus extrêmement magnifiques. Mais bon, ça dépend des gens, donc ne vous en faites pas. Je pensais que c'était passé inaperçu. Merci, Saku, d'être là. Ça y est, il se kiffe maintenant que SU lui a offert un... Un abonnement, c'est l'amour, l'amour fou. Bon, du coup, on continue avec le lo que je viens de vous parler, hein, à ne pas confondre avec le lu qui a une petite boucle. Ici, on est sur un z qui a un gros ventre, voilà, qui est enceinte. On va dire ça comme ça. Donc, je vous remontre un z qui a un petit bidou, un z qui a un petit bidou. Est-ce que ça va pour vous, tout le monde? Pas trop rapide? Dodeska, dodeska. Yes! Bon, bah parfait. Donc, on va arriver sur le petit test. Ça a l'air d'aller, ça va, c'est bon pour moi. Ok, nickel. Première question. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe ra? Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième? Premier, deuxième ou troisième? Et on a une pluie de numéro 1! Hi, so des minasan! C'est très bien, c'est bien la première réponse. Hi, so des. Question suivante. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe lu? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Do des ka minasan? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Alors oui, du coup, Twitch ne vous aime pas. Trouvez des subterfuges! C'est bien la première réponse. Hi, Sodes. J'ai regardé dans mes paramètres. Je n'ai pas trouvé comment faire pour vous autoriser. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Donc voilà, il faut trouver d'autres moyens. L'écrire en lettres, comme l'a fait Grimm par exemple, c'est parfait. Question suivante. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe le? Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième? Vous promets, j'ai pas fait exprès. Promis juré. Yakusoku suru, Comment on dit un en japonais? Est-ce que vous savez dire un en japonais? Faut jongler là. Ouais, j'avoue, les trois d'affilée, c'est pas sympa. Hi, ichi desu. Voilà, vous avez d'autres manières de le dire. Ichi desu. Hi, Sorodes. Du coup, j'ai une avalanche de 1, c'est parfait. C'est une très, très bonne réponse. Et donc là, faites bien attention, hein. Le deuxième, il se lit comment? On va travailler un peu déjà les différences. Le deuxième se lit comment? Si le suivant est un, je vais pas être content. Gomenasai! So, le deuxième, il se lit ne. Et le troisième, on ne l'a pas encore vu. Mais peut-être qu'il y en a dans le chat qui sont un peu plus avancés, qui le savent. Le troisième, il se lit comment? Oh, ine, Kiki-san. Le troisième, il se lit wa, wa. Et donc, c'est celui qu'on va voir juste après, de toute manière. Donc, on continue le petit quiz. Deux lectures cette fois-ci. Donnez la lecture du hiragana suivant. Est-ce qu'il se lit li, re ou ro? En fait, me revoilà. Oh, Jojo, Okaeri. Okaeri. Ça spoil, oulala, c'est tellement ça. Hi, so des, c'est Lee. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'on écrit sur ordinateur, la plupart des typographies, ça va être un seul et même trait. Et je le trouve très moche comme ça, je le dis honnêtement. Tu n'es pas beau, Lee. Tu n'es pas beau. Tadaima. Ok, Lee. So des. Donc là, voilà, c'est bien Lee. Donnez la lecture du coup du hiragana suivant. Est-ce que ce Lee-là, lo ou les. Il est pas beau.
Sonnet. Il est pas beau, pas beau, pas beau. Lit comme licorne, la licorne. Sonnet. Sonnet, sonnet. Hi, minasan, sugoi. Sugoi, jozu. Hi, kore wa lo. C'est bien l'eau, bien joué tout le monde, c'est excellent. Ça va, vous suivez, ça me fait plaisir. Et du coup, on a fini pour le petit test sur les R. Bon, de ce que je vois, de vos réponses sur le chat, ça a l'air pour l'instant d'être pas mal. Après, il va y avoir pas mal de travail personnel, je le répète, de bien le travailler tous les jours. La petite méthode, c'est au minimum 15 minutes par jour, faire des lignes en répétant la prononciation de chaque et jongler avec des applications sur téléphone ou sur ordinateur. Voilà. Oui, madame. Oui, je suis pas vraiment une madame, vous savez. Ma chotone, ni je ni sa inanode. Ma madame, toyez le nez. Ouais, si, à 22 ans, je pense quand même qu'on peut dire madame. Puis faire un test sur... Oui, ou faire un test sur Discord, tout à fait, avec les bots et tout, n'hésitez pas. Mais on fait comment avec le boulot? Ben, la pause déj. Tu manges ton sandwich et tu fais des lignes pendant 10 minutes. C'est les seuls moyens. C'est les seuls moyens que j'ai. Ou en rentrant du... Juste avant de dormir aussi. Juste avant de dormir. Et ça travaille encore mieux. Ça travaille encore mieux. Et pareil, prends une appli, Kalinours, parce que toi, avec les transports en commun, si tu peux, utilise ce temps-là sur les applications pour la révision. Ou alors, je vais parler en japonais à tout le monde. Sans dessiner. Ça, c'est excellent. Fais-le. Fais-le tout de suite. Ce sera parfait. Bah non, c'est voiture. Ah, tashkani. Bon, bah, la pause repas. T'as pas d'autre solution. La pause repas. Ou alors, juste avant de dormir. Voilà, t'as des deux possibilités là. Bon, allez, on reprend du coup. On continue. Et là, on arrive sur les trois derniers. Il nous en reste plus que trois. Quoi ça? Trois. Je vais y arriver. Trois. Et on aura fini le tableau principal. Notamment les syllabes simples et les syllabes dérivées. On va commencer donc avec le fameux wa qu'on a vu juste avant et qu'il ne faut pas se tromper du coup avec le lait et le nez. Donc là, on part sur une barre verticale, un autre Z, et là par contre, c'est un Z qui est vraiment... Il y a des triplés dedans. Il y a des triplés dans son ventre, tu vois. Il y en a un, deux, trois. Il y en a trois. Donc je reprends une barre verticale, un Z avec des triplés. Il me faut un reconfinement. Ah ouais, non, mais... En plus, toi, sur Paris, d'après ce que je comprends, c'est presque inévitable. Ils sont en train d'y penser. Commande une Kindy sur Amazon. Je ne suis pas encore en vente. Je ne vends que des cours particuliers, c'est déjà pas mal. Ouais, il est beau. So, on est... Waouh, il est beau. Hi, so, this. Si c'est un Z, ce serait plutôt un gros cul. Attends, je connais. Oulala. Donc, du coup, il faut faire les fesses, mais bon. On va arrêter là. Son. Je remonte une dernière fois. On a un trait vertical, un Z avec des triplés ou un gros cul, ça dépend des gens. Sur l'île, c'est pas mieux. Ouais, mais ça va, je suis qu'une journée sur l'île. Ça me va. Oh, Yubi-san. Ah, j'ai loupé ton pseudo, excuse-moi. Yubi-sama, Yorokoso, bienvenue dans la classe. Merci pour le follow et puis trouve-toi une petite place où t'asseoir et prendre de quoi écrire. D'où viens-tu? À chaque fois, j'oublie de poser la question. Vous venez d'où? Comment t'as trouvé le stream? Je veux savoir. Mais bon, s'il a un reco, du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens en plus sur le qui follow. Je suis contente. Voilà, je vous le dis. Je partage. Ouah, merci, Choupinette91. Yorokoso, bienvenue sur le stream. Bienvenue dans la classe. Nous avons les moyens de vous faire parler, c'est exactement ça. À chaque fois que je pose cette question, je suis en mode, c'est peut-être un petit peu indiscret, non? Je ne sais pas. Sensei en mode détective, c'est exactement ça. Trabasu, Yorokoso, bienvenue à toi aussi dans la classe. D'où viens-tu? Minasan, la manière de demander. Bonsoir, Choupinette, du coup. Oui, j'aime bien savoir d'où vous venez en vrai, parce que c'est cool, enfin, je suis contente, on va dire, quand vous venez sur ma chaîne par pur
principe de découverte. Et pas, vous avez vu sur les réseaux. Juste, oh, il y avait ça, oh, japonais, oh, bon, on va aller faire un tour. Et quand vous venez, et qu'en plus vous avez vous follow, et que vous faites partie des élèves maintenant, bah, ça me fait encore plus plaisir. Parce que voilà, c'est, voilà, je suis contente. Choupinou et Choupinette, va falloir les séparer, sinon ça va copier son nez. Son nez. Mais oui, du coup, voilà, on s'en doute que c'est ta conjointe. Je me suis dit, je fais le rapprochement tout de suite. Bon, ça aurait pu ne pas être le cas, mais bienvenue à toi, du coup. Et bah, ton cher Choupinou va potentiellement te donner son rôle de sub sur le Discord si cela t'intéresse. Je te laisse Choupinou lui expliquer en quoi ça consiste. Mais dans tous les cas, tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à rejoindre également sur Discord. J'avoue, on est dans la même canapé, mais chacun sur son PC tablette. Bah, pour déjà, ne serait-ce que commenter, c'est beaucoup plus pratique. Ça, on est. Bon, allez, on continue du coup. On a bientôt fini. Et je vous remercie encore infiniment pour tous les follow et tous les subs. C'est vraiment super gentil. Hello, je voulais regarder des streams japonais, même si je ne comprends rien. J'aime trop les écouter. Du coup, cool de tomber sur toi. Haha, je comprends là. Ah, Yokata, ah, ça, on est. Oui, en effet, quand moi aussi, de temps en temps, je regarde des petits streamers japonais pour, bon, moi, pratiquer principalement. Mais oui, là, tu vas pouvoir enfin comprendre des choses. Vu qu'on parle français, ça va être plus pratique. Ça, on est. Ah, hi, kanpai, merci pour les parts. Mais c'est bien, faites-le, parce que en vrai, ça me force à boire cette eau qui est bonne pour la santé et que je n'aime pas. Je suis obligée d'utiliser des bons points. Je suis obligée. alors je profite de ce moment de blablatage pour vous demander si y en a qui connaissent le système de, comment ça s'appelle, de boss, attendez, de boss du stream. J'ai vu ça dans la vidéo de Pierre Cross et je connaissais pas du tout, parce que de base je consomme pas de Twitch, et je m'étais dit, mais ça pourrait être cool pour utiliser vos bons points de faire ça, et il faudrait que je réfléchisse à comment, bah, celui qui gagne à la fin, qu'est-ce qu'il peut gagner à la fin du stream, si c'est un rôle supplémentaire sur Discord, des petits avantages ou quoi. Mais voilà. Ah, il y en a qui vont manger. Fallait pas acheter de l'épargne. Oui, mais c'est bon pour la santé, l'épargne. Je commence mes ramen. Bon appétit. Ah, bon appétit. Je comprends mieux. J'en ai entendu parler. Mais écoutez, je vais essayer d'y réfléchir, de peut-être le mettre en place si je trouve. Parce que le but, si je comprends bien, c'est si les gens follow, si les gens sub, si les gens font un don, ou s'ils utilisent leur bon point, ils peuvent attaquer le boss. Donc le boss en premier, je crois que c'est moi. Et ensuite, c'est celui qui m'a détrôné, etc., etc. Et celui qui arrive à la fin du stream, il faudrait que je trouve une petite récompense sur le Discord, ou un petit avantage en plus, pour donner envie aux gens de participer, et vous faire une petite animation en plus. Je reste là, mais en mangeant. Ah, ça doit être posé là. Tu dois être bien. À force d'en boire, tu te fais à son goût. C'est le calcium qui donne ce goût bizarre. Oui, le calcium et le magnésium, j'aime pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin voilà, je transmets voilà la petite truc que j'avais en ce moment, vu que je suis en train de refaire tout le Discord, tout l'overlay. Mais bon, je fais passer ça et c'est tout. On continue, on va y arriver, il nous en reste plus que deux, les deux derniers. Alors, pour le haut, alors là il faut bien faire attention, on est dans la colonne des W. Et donc en fait celui-là, normalement en haut on m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai mis O, en fait c'est parce qu'il se prononce O. Mais en haut on m'a dit, il va bien s'écrire W-O. W-O, mais il se prononcera O comme la voyelle. Ça va être la même prononciation. Et au niveau du tracé, on est sur du 3 traits. Un premier horizontal, un deuxième que je ne pourrais pas trop vous décrire, et un troisième également. Je sais pas comment vous décrire visuellement, mais bon, suivez juste les traits, hein, c'est le plus simple pour celui-là. Donc on reprend un trait totalement vertical, horizontal pardon, un autre vertical qui va traverser le premier et qui va, c'est comme si c'était quelqu'un qui était assis peut-être, quelqu'un qui était assis. Et le deuxième, c'est un C qui traverse le petit bout qui dépasse. Un bonhomme qui crève son trampoline. Ah j'adore, c'est tellement ça, oui. Le pauvre. Oh non, un homme chevauchant un escargot. Oui, c'est l'image que j'ai. Mon dieu, vous êtes des génies, je vous adore. Non. C'est quoi. Sans désigner. Un homme chevauchant un escargot. Je valide, je valide, je l'ai maintenant, c'est bon, il m'est apparu. Mais voilà,
voilà, retenez avec ces images-là si ça peut vous aider, sinon vous faites votre propre imaginaire, enfin vos propres images mentales. Je remonte une dernière fois, un trait horizontal, un trait vertical avec quelque chose qui dépasse, oh là là, ne pas sortir de ce contexte, et un C, un petit C. Ah, Yoakio Koso, merci pour le follow, bienvenue à toi, bienvenue dans la classe. Trouve-toi une petite place parmi nous et sors de quoi écrire. Je sais pourquoi j'ai pris cet accent. Ah, ah là là, il y a trop d'amour dans ce chat, il y a trop de follow, trop de subs. Arigato minasan, merci beaucoup. Oui, je... oh bah vous voyez, j'ai oublié. Tu viens d'où? Comment t'as trouvé le stream? Comment tu m'as trouvé? Merci l'ancien de me faire rappeler que je suis une gros psychopathe de temps en temps. Pour fêter ça, on va passer au hiragana suivant, évidemment. Et donc là, on arrive sur le N. Donc c'est un N, mais qui ne se prononce pas N, évidemment. Qui va se prononcer N, comme dans Kan, le son N. Comme dans Nihon, Nihon, le N de Nihon. Et au niveau du tracé, on va être sur un seul et même tracé. Un trait légèrement pensé, et on remonte, et un hameçon. Balance les infos et dépêche-toi, ou on te coupe les doigts. Ça en est. Instagram. Ah, bienvenue, coucou d'Instagram, du coup. Ah bah, comme quoi, je veux bien fait de mettre les publications sur l'Instagram. Ayokata. Donc voilà, pour le N, c'est le son N, comme dans Nihon, et on est sur un seul et même trait. Un trait qui est penché, il remonte et il fait un arc de cercle du coup. Et ça vous fait penser peut-être à un autre hiragana qu'on a vu, c'est le E. Le E c'est une virgule, une sorte de Z qui remonte et qui fait une boucle. Bah ça, cette partie-là, c'est la même. Sauf que bah, là, on n'a pas ça en plus, ni ça. Vous voyez? C'est exactement la même partie sinon. Ah, Kanpai, merci beaucoup, Caleb. Je bois ta santé. C'est la même prononciation que le N. Alors, c'est pas vraiment... C'est pas... Ouais, t'as bien fait de préciser à peu près. Parce que le N, c'est... En Corée, c'est différent. Là, c'est N. Alors que en Corée, c'est... Ça vient plus de la gorge. Alors que le N... Il vient un peu plus du palais, j'ai l'impression. Je suis pas sûre. Linguistiquement parlant, ça doit être faux ce que je dis. Mais c'est pas le même. C'est gneu, mieu et n, c'est pas la même chose. Mais l'origine est plus ou moins la même. Un demi-ballet de Disney. Si tu veux, je ne te contredis pas. Ou un nez. Un nez. Donc, oh. Un nez. Je ne vois pas de nez encore. Désolée. Soumis-moi, Sam. Bon, c'est. Ça va pour vous? Donc là, on a vu le wa, le o, attention, il se prononce o, et le n. Et c'était nos trois dernières... Ah oui, ça peut ressembler à un h, sonne. Moi, je suis un h comme ça, sonne. Hi, kanpai. Encore, oh, punaise, et oh. Nani! Mais heureusement que c'est pas de l'alcool, ça serait chaud. Déjà que je n'en bois pas de base, alors là, je serais pompette. Hein. Oui, j'utilise le mot pompette. Cul sec là, non! Et de deux. Et de trois. Et ça coule là, dans quel sens? Par là, qui me fait daber? Non, par là. Ah! Il m'a dit j'ai un live spécial saké, mais je ne pourrais même pas, je ferais juste des détails de... comme ça tout le temps, je n'aime pas le goût de l'alcool. Et dab avec la bouteille, ok, dab avec la bouteille. Non, comme ça. Comme on dit en Belgique, tu fais un affront. Mais saké ga suki janai no, kore dake ne. C'est super bon le saké et le soju. Je peux te croire, mais moi je n'aime pas. En fait, je n'aime juste pas le goût de l'alcool en soi. Si le goût de l'alcool est caché par du sucre,
du fruit, ça passe nickel. Hein. Toutes les bières fruitées, bon, ça a très peu d'alcool aussi de base, mais dès que le goût du sucre ou le goût du sirop ou du fruit est plus prononcé que le goût de l'alcool, je bois ça. Mais si ça a le goût de l'alcool, je ne peux pas. C'est pas bon. Le saké au yuzu est très, paraît-il, selon Choupinette, c'est-à-dire addictif. Ah oui, alors moi je goûtais un alcool à la poire au Japon qui s'appelait la Fulansu. Excellent. Par contre, je sais que je pouvais pas dépasser 3 verres parce que ma tête elle commençait déjà à tourner. Mais oui, les alcools de fruits, oh là là, un régal. Oh, et le yuzu, j'adore ça. Donc le petit combiné, un liqueur du yuzu, elle est juste une pépite. Une pépite, c'est juste, voilà, une pépite. Pourtant, je n'aime pas l'alcool. Ah ben, bah écoute, tant mieux. Un petit umeshu alors. Ah, umewasu kijanai. Je n'aime pas trop le goût de la prune. Umewasu. Mama. Non, la bière, c'est la vie. Ouais, moi, j'aime bien la pêcheresse. La bière à la pêche, c'est très bon. Merci, Charlie. Tu contribues à mon hydratation. Arigato gozaimasu. J'adore le jus de pomme de la ville d'Aomori. Ah, les jus de pommes japonais. Juste ça, les jus de pommes japonais. C'est une tuerie. Oh, moi, c'est mon kiff. Je l'ai déjà dit en stream, je pense. Quand je vais au Japon, la première chose que je fais, et Mélanie peut en témoigner, c'est je vais me chercher un jus de pomme et un dorayaki. Et là, je suis au Japon. Et là, je suis bien. Le soju, c'est très traître, c'est très sucré. Ben, ça passe crème et après, tu te tapes la cuite. Ah, donc c'est un truc, je pense, que je peux aimer, du coup. Mais bon, tout en restant modéré. Une algique, faut pas dire qu'une pêcheresse est une bière, mais c'est une bière fruitée, si. J'ai pris pas mal de cuites avec Atsukan. Atsukan, t'es chez l'année, je connais pas du tout. Alors moi, en alcool, je suis... Kalpis gaski janai. C'est pas bon le kalpis. Je fais exactement la même tête que quand je bois le départ. C'est pas bon. T'es pas bon. J'ai dit. Un jour au Japon, je serai de goûter ce fameux melon de pan. Ah, melon de pan gaski. C'est trop bon le melon de pan. Bon, c'est pas extra. Hein, faut pas s'imaginer un truc, mais c'est bon. Surtout en boulangerie, ils sont bons. Ceux du combini sont un peu secs. Ça dépend. Le choco melon de pan, par contre, pain avec des pépites de chocolat, ça. J'ai envie. Oh, c'est vraiment si bon que ça, apparemment. Bah, c'est ce que je dis, c'est pas extrêmement bon, mais ça change d'une brioche basique avec un peu de sucre et un léger goût de melon. Mais prends-le en boulangerie, il sera d'autant plus bon. En gros. Ah non, moi je n'aime pas du tout le kalupi, c'est comme les pains et le magnésium. Oh non, j'en ai fait moi-même et oui, c'est trop bon. Kalupi, c'est étrange, mais pas mauvais. À Paris, tu as une boulangerie franco-japonaise Aki où il y a de très bons melon de pan. Bah, je suis allée la semaine dernière à Paris et nous, on a fait la boulangerie Tomo avec Kalinos. C'était cool parce que j'adore les dorayaki, si vous ne l'avez pas compris. J'ai déjà fait un melon de pan moi-même. C'était dur à faire. À boire encore. Mon dieu, je me transforme en poisson. Et j'ai vu la recette sur internet, ça a l'air faisable. Bah, c'est pas très. Compliqué les melons de pan. En fait, il faut avoir l'arôme que tu mets pour avoir le petit goût de melon, mais sinon, c'est pas trop compliqué. Bon, on va finir ce petit quiz et après, on continuera notre papotage très intéressant sur la nourriture japonaise. Donc, on reprend juste 2 secondes. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe wo? Oh, vous êtes de terre, j'adore. Est-ce que c'est le premier, deuxième ou troisième? Comment je vous ai coupé net? Ça, c'est une bonne prof, ça, quand elle reprend l'attention de tout le monde et hop! Hi, Sorodes! C'est la première réponse. Bien joué, tout le monde. Deuxième question. Lequel de ces hiragana correspond à la syllabe wa? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Wa! Hi, Sorodes, minasan! Bien joué, c'est bien la troisième réponse, le wa. Alors, je vous redemande, le premier se lit comment? C'est lequel le premier? Hi, so desu ne. Hi, kore wa re. Le premier c'est re. Et le deuxième, du coup, c'est. Comment il se lit? Hi, sugoi minasan. Bien joué tout le monde, c'est excellent. C'est le ne. Le, ne, wa. À ne pas confondre évidemment. Sachant que le wa a des triplés. Le nez a une boucle et le lait, c'est l'autre, c'est le dernier, forcément.
comme le Nescargot, so desune. Hai, so 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 so. Et autre question, et c'est la dernière il me semble, lequel de ces hiragana correspond à la syllabe on? Pardon, pardon. Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième réponse? Waouh, second Eminasan, bien joué tout le monde. C'est la première, tout à fait. Donc, petit quiz du coup, enfin, autre question, le deuxième il se lit comment? Est-ce que vous en souvenez? Vous en souvenez plutôt? Ah, waouh, second. Hai, i des. I, i. Et le troisième? Waouh, subarashi, sugoi. Hai, so des. Hai. Enfin, du coup, oui, c'est le so. Ça se lit bien so, c'est parfait, excellent tout le monde. Mais quelle bonne classe, hein, mais exactement, c'est exactement ce que je suis en train de penser de vous à l'heure actuelle. Hein. Vous êtes parfait, très bien. Bon, du coup, est-ce que sur le cours d'aujourd'hui, vous avez des questions? Ou avez-vous des questions de manière générale? Shitsumon ga arimasu ka? Que ce soit sur le cours d'aujourd'hui, le cours de la semaine dernière, sur les cours qui vont venir, sur le Japon, là on était en train de parler de la nourriture, sur le Discord, dites-moi. C'est le moment. On est entre nous, posez. Maintenant, si on devenait une classe d'assassins, je ne ressemble pas encore à un poulpe, ok? Je peux comprendre que, voilà, ça prête à confusion des fois. Mais non, je ne suis toujours pas un poulpe. Among Us ce soir? Bah écoute, pour l'instant, je me sens plutôt en forme. Donc, clairement, il y a moyen. Il y a moyen de faire une petite soirée jeu sur le Discord s'il y en a qui veulent se joindre à nous. Ça devrait le faire. Bon, demain, j'ai cours. Donc, je finirai pas trop tard parce que je dois prendre le train pour aller à Lille, maintenant que je n'habite plus sur l'île, mais voilà. Alors... Ah non, on touche pas à Sensei, à son nez. Tu aurais une technique pour pas confondre le lu et le lo. Alors, le... Alors, une technique... Une technique, pas vraiment. Il y a juste que le lu, c'est visuel. Et c'est comme Yukimi a dit, le loup a une boucle, alors que le loup n'en a pas. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Non, car il va falloir tuer qu'on dise, bah voilà, moi il faut pas me tuer, sinon vous auriez pu courir gratos, c'est con. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais même pas ce que je vais manger, je sais pas quoi me faire à manger. Je sais pas. Wakanamayo. Mais oui, donc pour le loup et le lot, retiens que le loup déjà vient en premier, qu'il a une boucle, et que le lot, il y a quelque chose en moins, il vient après, il n'y a pas de boucle. Et peut-être comme ça, j'ai pas trop de moyens, à part de retenir que le lot n'a pas de boucle, et que le loup a une boucle, tout simplement. On enroule avec un RU, le U, et ça te donne une boucle. Oui, c'est vrai que SJU m'avait eu un super moyen mnémotechnique. Et du coup, bah, Jojo, campagne, hein, à ta santé. Moi, j'ai déjà mangé des frites. Des frites. C'est pas très bon pour la santé, toute l'huile qu'il y a dans les frites. Le fantôme ne t'a pas préparé à manger? Bah écoute, le fantôme est encore en train de travailler. Je ne sais même pas à quelle heure il rentre. Je ne sais même pas ce que je dois faire à manger du coup. On verra, surprise. Ah bon bah, Charlie, campagne. Je vais finir ma bouteille, le fantôme il va rentrer, il va faire, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y a eu là? Je veux dire, il y a eu un stream, ils m'ont fait boire, c'est tout. Mauvais fantôme. Non. Hop. Attendez, je vais faire en sorte qu'on me voit un peu mieux parce que du coup maintenant je suis re dans le... Voilà, c'est un peu mieux. Kiki-san, kanpai. Je vais finir inondée. Je vais finir inondée, c'est tout. Oui, je suis une rivière, ok. Mauvais fantôme, non, il bosse. Itadakimasu, son nez. Bon, à part me faire boire, j'ai l'impression que tout va bien, c'est nickel. Il bosse lui. Attention, hataraite ru yo. Wa, sonna koto ka. OK. Wakatta ne. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire?
Oui, alors le prochain cours, il aura lieu mercredi. Mercredi, il y aura encore un petit test, cette fois-ci peut-être un peu plus long, parce qu'il faut quand même que je vous fasse plus que juste 9 et 9, hein. Là, on a vu tout un tableau, donc clairement, il faut, je vais essayer de voir pour faire un petit test un peu plus élaboré, avec des petits mini-jeux ou de ce genre de choses. On va avoir du coup ce qu'on appelle les syllabes composées. Les syllabes composées, c'est toute la colonne des i avec les petits ya, yu, yo. Donc pour la semaine prochaine, retenez bien cela. Voilà, c'est enfin pour mercredi plutôt. Pour mercredi, retenez bien cela. Une fois qu'on aura vu les syllabes composées, je pense qu'on aura besoin peut-être de 2 séances pour les voir les composées. Donc je pense qu'on va prendre 3 semaines pour les hiragana, 3 semaines pour les katakana. Ce qui fait qu'il nous restera une séance où on fera certainement une grosse révision avec plein de petits quiz, plein de fiches pour vous dire voilà, ça et ça, c'est à ne pas confondre, où est la différence, les choses qu'il faut bien retenir. Donc voilà, j'essayerai de mettre ça en place. Là, on a encore le temps. Hein. Mercredi, on a syllabe composée. Lundi prochain, ce sera re-syllabe composée. Et mercredi prochain, on aura le test final, le récapitulatif final. Nous sommes déjà inondés, Sensei. Nous sommes principalement faits d'eau. Sonne, tashikani. C'est à mon tour de m'inonder. J'ai la soupe de mes ramen à boire. Ah, ramen, d'eau d'attente. Oui, shikata. Elles étaient bonnes, tes ramen, Saku? Je vais devoir revoir tous les hiragana pour mercredi. Oui, ça va être un petit peu compliqué. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui connaissent rien, privilégiez la colonne des i et la colonne des y. Comme ça, pour mercredi et la semaine pro, vous les saurez déjà et vous les reverrez. Et après, pendant les 4 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, il faut revoir tous les jours. Si vous pouvez, faites 2 lignes par jour. Et le dimanche, vous revoyez tout d'un coup. Mais bon, ce qui vient d'arriver, c'est normal. Il y a une petite semaine de retard, donc il faudra reprendre le rythme. Mais utilisez des applications sur mobile, il y en a plein, des gratuites. Ça va vous aider énormément. Donc le mercredi, c'est toujours de 18h30 à 20h. Bon, des fois, ça peut dépasser si le cours est un peu long. Pour l'instant, pas besoin. Et le samedi, c'est 17h-20h. Vu qu'on joue à Pokémon, on a besoin de plus de temps, c'est de la traduction, il y a les combats et tout. Donc bon, le mercredi on chill, hein. Je vous donne du vocabulaire, mais bon, c'est plus pour regarder du gameplay et tout en révisant un peu de japonais. Pour ceux qui ont aussi un niveau un peu plus élevé, ça permet à ceux qui ont déjà un niveau intermédiaire, par exemple, de pouvoir un peu plus travailler. Donc les débutants sont plus là pour apprendre du vocabulaire et observer, faire une première approche. Les intermédiaires, ça leur permet, eux, par contre, de bien bosser. Mercredi sera en rediffusion, oui, malheureusement. Voilà, j'essaie de faire au plus tard, mais voilà, c'est ce qui est le plus facile pour moi et le mieux pour que le plus de gens puissent venir voir les streams 18h30-20h pour que je ne finisse pas trop tard non plus parce qu'après il faut que je mange et des fois j'ai des devoirs et tout et tout. Ah, Célia! Yokoso, bienvenue dans la classe! Alors la question habituelle, d'où viens-tu? Comment as-tu trouvé notre stream? Dis-nous tout! J'aime pas les applis, je ne suis pas une accro du tel. Ah, ça, on est. Après, les applications, c'est surtout très utile quand tu as plein de temps dans les transports en commun, par exemple, ou dans une salle d'attente, où ça te permet vraiment à tout moment de réviser, que de prendre une feuille, un crayon et de devoir écrire. Tu as commencé quand les cours sur Twitch? Alors, de base, j'avais commencé à donner cours pendant le confinement. Puis, après le confinement, je n'ai plus eu accès à Internet. Je n'avais plus la fibre, donc aucun moyen de pouvoir streamer. J'ai déménagé entre-temps pour pouvoir enfin avoir la fibre. Sauf que Free, c'est de la merde. Et que je n'ai pas eu la fibre avant mi-août. Ensuite, j'ai pris des vacances. Ensuite, il y a eu la rentrée. Donc, c'est pour ça que l'on a repris les cours la semaine dernière. Voilà, tu sais tout. Je sais en retard. J'ai ma première visite. Je serai en retard. J'ai ma première visite mercredi. Ah, grande bâtée. Grande bâtée, ça que. Je sais ce que je vais faire de mon mardi matin. Voilà. Réviser les hiragana. Tu viens d'où? As-tu ton billet de retard? Avant, ça m'aide pas les vacances ou ça? Ok, très bien. Mais quoi, vous partez dans un délire, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Les vacances ululent. Oui, non, enfin,
Je dis des vacances. C'est que j'ai pris un peu de temps pour moi parce qu'il y avait eu le Ulule, voilà. Il y avait eu la campagne Ulule pour le manuel que j'ai écrit qui va enfin bientôt être imprimé, mon Dieu. Ceux qui ont participé, qui sont dans le live, je vous le dis en direct, cette semaine, j'ai ma nouvelle carte, donc je peux passer commande. C'est-à-dire que mi-octobre, vous recevez tous votre manuel. Je l'espère, qu'il n'y a pas de retard de livraison, parce que là, j'en commandais beaucoup. Mais voilà. Les transports en commun, je ne connais pas. Je suis à la campagne, moi, donc je vais au travail en voiture. Ah, sonné. Naruhodo, je comprends. Pas de Kali, je l'ai imprimé ce matin. Ah, sonné. C'est vrai, tu m'avais envoyé un message. Mais oui, non, donc voilà. Voilà, vous savez un peu toute ma vie, les nouveaux. Super, du travail avec les vacances, avec ce livre. Mais oui. On en parle du manuel, on pourra le commander. Eh ben écoute, vu que t'en parles et que tu poses la question, autopromo, c'est le moment. En gros, je vous explique un petit peu. L'année dernière, j'avais lancé une campagne qui avait pour but de financer, du coup, deux manuels. Le premier, il y a une deuxième campagne qui est sortie parce que j'avais tellement de choses à faire entre mes études, les trois boulots que j'avais, plus mon entreprise, etc., que j'ai pris énormément de retard pour le faire. Ce qui fait qu'en août, une deuxième campagne a été ouverte vu que les réseaux avaient augmenté. Et du coup, là, le livre est bon. Il est fini, il est bouclé. Comme je disais, je passe la commande cette semaine. Et le livre, il sera au prix de 16,99€, si je ne me trompe pas, et disponible sur mon site internet. apprenantlejaponais.com. Évidemment, vous aurez tout sur les réseaux sociaux, notamment sur Discord, Instagram, Facebook, et j'ai tout en fait. Et du coup, oui, on pourra l'acheter sur le site. Et je ferai en sorte aussi de pouvoir le vendre en format e-book sur Amazon, certainement. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et est-ce que j'avais fait un truc pour la campagne Ulule? Je crois que oui, le lien y est encore. Donc si vous voulez juste jeter un œil à quoi va ressembler le manuel, la couverture, etc., n'hésitez pas. Sachant qu'il y aura un petit bonus pour tous ceux qui vont passer commande avant Noël. Et il y a un petit bonus qui aura aussi dans les contreparties, qui je ne devais pas dire, mais bon, du coup je le dis. Dans les contreparties Ulule, je vous rajouterai un petit truc, un petit plus, voilà, pour le fait d'avoir attendu super longtemps. Donc voilà, c'est le petit cadeau pour l'attente des fois de plus d'un an pour certains. Donc voilà, un aller-retour au Japon, non, ça je ne peux pas, malheureusement, mais voilà, vous savez tout. Alors, j'ai pas compris à un moment, c'est un signe, qu'est-ce qui est un signe? Mercredi, je devais être absent car c'était censé être ma journée la plus chargée, mais je suis confinée, je crois que c'est un signe. Ah, sonné! Tashikani, c'est vrai que tu l'avais dit. Sonné. T'as aimé scène? J'avais MSN à l'époque. Maintenant, j'ai plus MSN. Non, Facebook. En plus, j'ai plein de trucs. Facebook, Insta, Twitter, TikTok, Twitch, Discord. C'est déjà pas mal. Sachant qu'en plus, maintenant, je suis super active. Tous les jours, il y a deux publications sur Facebook, Instagram et Twitter. Il y en a une. Donc, voilà. Tu veux faire un oui? Ça date tellement. Eh, vous savez, je suis pas aussi vieille que ça. Hein. J'ai connu ça, hein. MSN et tout, j'ai connu. Hein. Je sais pas, bon, je l'ai dit dans le live, du coup ça compte pas. Mais je sais pas de base l'âge que vous me donnez, mais je suis encore jeune. Hein. C'est pas parce que je donne cours que je suis vieille. car oui, c'est long l'attente. Mes parents m'ont dit plusieurs fois que je m'étais fait arnaquer. Non, tu ne t'es pas fait arnaquer. Je suis juste en retard. Ça arrive. Et j'ai juste clairement pas mis les bonnes notes. J'aurais dû mettre juillet 2020 et pas juillet 2019. Clairement, je ne me rendais pas compte du boulot que c'était. Encore moins avec les imprévus que j'ai eu. Le line japonais, j'en ai un que j'ai perdu. Un jour, il faudra que j'arrive à retrouver mon line. Mais j'en ai un aussi de line, mais juste personnel. Oui, mais est-ce que tu as connu caramel? Des caramels? À part la bouffe? Non, je ne connais pas. T'es plus jeune que moi déjà. 45 ans, je dirais. Ouais, comment t'as deviné à ce jeu? Putain, t'es trop fort. Non, tu veux du retard? J'ai souvenir d'un bouquin qui a eu plus d'un an de retard. À Honto? Bon, bah ça va alors. Je ne suis pas autant à la bourre que ça. En plus, j'ai vraiment fait en sorte que... vous... comment dire, de vous donner plein de petits trucs en plus.
en attendant, parce que je me sentais trop coupable. Mais je pouvais pas faire autrement. J'avais vraiment pas le temps devant moi de m'y mettre comme j'ai pu m'y mettre là et rendre. Et attendez, parce que. Bah attendez, je suis stupide. Je l'ai juste là, Emmanuel. La version finale. Il est là. Attendez. Hop. Il est là. Donc il est très grand. C'est un format A4. Voilà pour le derrière. Il est super grand. Donc ça, c'est le test d'impression, sachant que c'est le test définitif, donc il ressemblera à ça. Là, les pages sont beaucoup moins lourdes. Elles sont faites pour... pour travailler, écrire dessus. Voilà, est-ce que vous voyez ? Voilà, il y a plein de petits trucs. Bon, vous voyez, j'ai fait des petits tests. Il y a les petits dessins de Picadrea aussi. Là, c'est les petits tests que je faisais. Blablabla. Bon, voilà, il y a plein de trucs. Plein. Donc, bon, vous verrez ça une fois que vous l'aurez en main. Ça sera plus simple. Il est plus beau que ma version imprimée. Ça reste logique. C'est logique. Sans honnête. Ton instinct est vraiment sympa. Arigato, Charlie. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah écoute, j'essaye d'innover un petit peu. Il y a les vocabulaires spéciaux Halloween, il y a les hiragana, et je vais essayer de commencer à faire des posts de grammaire et à faire des posts de kanji. Bon, ça prend du temps, donc je sais pas quand, mais je vais aussi essayer de mettre ça en place. Waouh, son est waouh. Je t'ai défendu, je leur ai dit que ça m'étonnerait qu'une arnaqueuse reste en contact avec ses victimes. Bah oui, si quelqu'un veut faire une arnaque, en général, il se casse le plus loin possible. Son est. C'est les meilleurs arnaqueurs. Ashkani. Elle a fait toute la mise en page. Oui, et puis Kalinours, oui, vous êtes. Je sais pas qui dans le chat, je fais pas gaffe au prénom, mais il y en a dont Kalinours qui m'ont aidé à corriger aussi. Donc, merci encore. C'est en fonction des lignes du tableau ou selon les nombres de traits? En fonction des lignes. Moi, je fonctionne pas par trait, je fonctionne par ligne. Parce que de toute manière, quand vous allez retenir le syllabaire, vous allez devoir retenir l'ordre et pas par rapport au nombre de traits. Donc, c'est basé sur les lignes des tableaux. Ça me coûte moins cher de l'acheter que de l'imprimer. Oui, quand on n'a pas l'imprimante, en effet. Et B, du beau boulot en tout cas. Merci, c'est gentil. Mais c'est grâce à beaucoup de gens, dont certains... et dont vous, en fait, qui ont contribué au projet, donc... voilà. Et sa collègue dit « Hello, j'en fais partie !» Son est... Je vais l'acheter aussi. Ah, yes, ça suit. Merci. Les gens, je vous aime. Vous êtes trop gentils. Ah, Noé, Yonkoso, bienvenue dans la classe. Trouve-toi une petite place parmi nous. Et on arrive sur la fin du cours, là, c'est bientôt fini. On papote un petit peu pour prolonger ce moment de bonheur, partagé, je l'espère. Et du coup, la question, d'où viens-tu? Comment as-tu trouvé notre stream? Comment as-tu trouvé la chaîne? Tu viens d'où s'en est? Jojo, il vient d'arriver, il ou elle, je ne sais pas. Et t'as déjà tout compris. Et pour l'imprimer, ben je referai des pages pour écrire dessus. Hi, so, c'est ça qu'il faut faire en vrai. C'est ça qu'il faut faire. Et je conseille d'écrire au crayon gris, comme ça vous pouvez aussi gommer. C'est pas... Voilà, c'est bien. De crayon gris, ça fonctionne très bien aussi pour le faire. Je dois partir, bonne soirée à vous tous. Bah merci Calais, merci à tout le monde. Je pense que moi aussi, de toute manière, je vais vous quitter. Je te préviens, tu vas avoir plein de notifs sur ton Insta. Ok, ça me va. Écoute pas, il n'y a pas de souci. Dernier récap, dernière chose, et après, on va aller raid quelqu'un. Si vous avez une recommandation dans le chat, je suis preneuse. Je vais aller sur le Twitch direct pour pouvoir raid. Crayon de papier. Fait des mouvements chelous comme un méja pour vous nez et vous obliger à l'acheter. Mort de trop chou, ça coûte. Du coup, je disais, dernier récap. Prochain cours, mercredi. On travaille les syllabes composées. Il y aura un petit test avant le cours. N'hésitez pas du coup à bien réviser vos kanas. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est là où je suis en contact direct avec vous. Où tous les jours je passe dire bonjour. Où je peux vous répondre à des questions si vous en avez. Il y a des japonais qui sont dessus aussi qui peuvent aider dans l'apprentissage. Donc n'hésitez pas. Il y a les notifs aussi dès qu'il y a un live. Donc c'est pas mal utile si vous voulez en rater aucun. Alors on va regarder du coup... Red Strakel, je sais pas ce que c'est quoi, elle fait quoi, il ou elle fait quoi.
dites-moi. Enfin, Esdrim, du coup. C'est qui ce Trakel? The Legend of Zelda. Oh, pas besoin. J'adore. Ok, on part sur ça. En Belgique, c'est crayon de bois. Ok, on a... on a un gros débat sur crayon. Moi, c'est crayon gris. Moi, c'est crayon gris. Le plus actif, sa réponse préférée, c'est XD. Lol. Sans oui, 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 FC. Ceux qui savent sauront. C'est logique, ça coûte. Merci. Bon, allez, sur ce, merci beaucoup pour ce cours qui était super bien, bien animé. Révisez bien si vous avez des questions. Je suis dispo sur Discord. Je vous fais des bisous. Je vous dis à mercredi. À ce soir pour le Discord et Among Us pour ceux qui veulent venir jouer avec nous. Et voilà. Des bisous. À mercredi. Et ciao, ciao. Matane.